Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du DLC de Pokémon Écarlate et Violet. En l'occurrence, ici, on est sur Pokémon Violet et on va jouer au premier DLC. C'est donc le masque turquoise, The Teal Mask en anglais. Et aujourd'hui, je ne suis pas dans mon cadre habituel, je suis actuellement dans une chambre d'hôtel à Londres puisque je me suis rendu à un événement de lancement justement pour ce DLC qui a eu lieu hier. Et donc du coup, j'ai passé la nuit à Londres. Et pour vous fournir cet épisode aujourd'hui à 18h, eh bien, j'ai ramené un petit peu du matériel, etc. pour pouvoir vous proposer cet épisode de Pokémon Violet sur le nouveau DLC. Je suis accompagné d'un Miraidon, voilà, que j'ai gagné là-bas à cet événement-là. Je vous invite à aller checker mon TikTok, il y aura du contenu par rapport à ça sur TikTok. Les amis, c'est parti. Alors, je vais regarder en l'air, hein, puisque l'écran de la chambre d'hôtel est juste ici. Et on a Motiti. Allô, NT. C'est Monsieur Jacques à l'appareil. Bonjour, monsieur. Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans, à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria. Comme le voyage est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie? Je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller, mais cette occasion ne se représentera peut-être pas. Alors si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille du coup à l'académie, direction le hall d'entrée de l'académie. Alors avant ça, est-ce que on n'irait pas dans notre boîte PC pour aller un petit peu récupérer les Pokémon emblématiques de notre let's play? Alors je sais plus lesquels ils sont. Enfin je sais surtout plus où ils sont. Et c'est bien ça le problème. Donc ils sont pas là apparemment. Donc on va regarder page 1. On a du Tranchaudon, on a du Gallame. Non, c'est pas Craboulet moi. C'est pas Craboulet, moi c'est Crabazur qu'on veut. Où est notre Crabazur? Je sais pas où il est. On va découvrir ça. En tout cas, là, il n'y a pas de Pokémon de notre let's play. Là, j'ai pas l'impression non plus. Je vais chercher tout ça. Et puis, on se retrouve juste après. Ça y est, on y est. J'ai récupéré tous mes Pokémon. J'ai récupéré, du coup, Lac des Cygnes, Crabazur, Double Face, Sparcolombe et Gambex, ainsi que Bourangère. Et normalement, on devrait être good cette fois-ci. Donc, let's go, le hall de l'académie. Alors, attendez, la carte. Oui, la carte, c'est Y. J'ai fait tous les boutons d'un coup, et c'était pas bon. Let's go. On y va et on va découvrir ce que nous réserve ce nouveau DLC. On espère que l'aventure sera cool, on espère que la zone sera sympathique et plutôt jolie, puisque c'est un petit peu ce qu'on a envie de découvrir aujourd'hui. C'est une zone peut-être un peu plus travaillée que ce qu'on a vu actuellement sur Pokémon Écarlate et Violet. Allez, let's go! C'est parti! Petit temps de chargement pour arriver au hall d'entrée de l'académie et... Bonjour, où sont les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire? Eh bien, c'est moi, madame! Une petite seconde, tu ne serais pas... Tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire! Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Enti, madame. Mais oui, Enti! Je suis ravi de rencontrer un élève aussi poli que rayonnant. Tiens, tu possèdes une orbe Terra Cristal? Un orbe. Un orbe Terra Cristal. Je constate que les élèves de l'Académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu ne sois un élève particulièrement exceptionnel. Oups, je parle, mais je ne me suis même pas présenté. Je suis Madame Bria. Veuillez excuser mon retard. Ah, Enti! Quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu n'en es qu'à ta première année à l'académie. Je t'envie. J'aimerais bien y aller moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon, Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria. J'enseigne à l'Institut Myrtille.
C'est une école située dans la région d'Unis. Madame Bria y occupe le poste de responsable pédagogique. Elle vient d'Unis. Ok. Et cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves. J'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Septentria est célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. C'est un lieu perdu dans la campagne, mais qui regorge de mystères, tu verras. On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terracristallisation, à Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Eh ben parfait! Même si entre nous, je rêve surtout d'explorer le fond du cratère de Paldea. Ah oui, elle veut explorer le fond. Mais on peut y aller, hein, madame. Hein. Vraiment, c'est-à-dire sans l'accord de Monsieur Clavel ou de la Ligue, je... Bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse bientôt, une réponse positive, cela va sans dire. Oh, pardon, Ensi, je t'avais complètement oublié. Bah ouais, il serait bien d'arrêter de réfléchir sans moi. Je pense que tu l'auras compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au-delà des frontières de Paldea. Montre-moi ton Moti Smart, je vais mettre à jour ton Pokédex. Oh! Oh, avec les nouveaux Pokémon qui sont du coup maintenant disponibles, ça va être assez top. Vous avez désormais accès au Pokédex de Septentria. Et voilà! Maintenant, tu vas pouvoir y enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère, tu peux donc partir l'esprit serein. Amuse-toi bien! Et bien, on y va! Let's go! C'est parti! Ah, ton professeur a l'air si honnête, ça lui donne un certain charme. Bref, j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur. Préviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria. Bon, on est prêt, hein. On est relativement prêt, madame, hein. Alors, Nti, tu es prêt? Bah, on est prêt. Let's go, c'est parti pour le voyage. Merveilleux, nous partons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage au sort. Ce sera donc... Va y avoir Menzi, c'est sûr. L'occasion de faire de nouvelles connaissances. Mon rôle est de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter du séjour moi aussi. À propos, connais-tu le livre violet? Le livre violet? J'ai mis oui. J'aurais pas dû mettre oui, je m'en doutais. Après tout, c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal. Ah oui, c'est vrai. À vrai dire, l'auteur de ce livre, Brouillé, est en fait mon ancêtre. Ah ok. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit aujourd'hui, original. Waouh. Tu vois, ces pages, elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Ah, un Pokémon disque. Il semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux, et sa forme évoquait un disque. Un Pokémon disque? J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet aux Pokémon de se cristalliser et de briller. Sur l'illustration, c'est Terrapagos. Bruyé raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone zéro. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Je rêve de découvrir Terrapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison. Mais pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone zéro. Bref, laissons tout ceci de côté pour l'instant. Je dois me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Madame Bria, on est là! Nous sommes au complet, parfait! Et sur ce, en route pour Septentria. D'accord, donc c'est pas du tout, il n'y a pas du tout Menzi. Je pensais qu'il y aurait Menzi, mais non. Allez, on va boire un petit coup d'eau. On y va en avion, il y a un Dracolos. C'est trop mims. C'est trop trop mims, c'est ça. Le trésor enfoui de la zone 0. Ça y est, on y est. Là, on pénètre réellement dans le DLC. Volume 1, le masque turquoise. Très bien. Ok. Et c'est parti. On arrive en bus du coup.
Mais on n'est pas allé en avion, plutôt. Ah, on a fait avion plus bus, peut-être, je sais pas. On est à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus. Ah bah voilà, j'ai les fesses en compote à force de rester assis. Ah, c'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là. Bah ouais. Oui, madame! Très bien, tout d'abord, bienvenue à Septentria. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre. Admirez ce paysage champêtre. Il y a des rizières, c'est trop mims. Il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est Jade Road, le village qui nous servira de base pour nos activités. Ok, Jade Road. Madame, je me sens pas très bien. Oh non, serait-ce dû au mal des transports? Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les rizières. Enti, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jade Road pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. D'accord. D'accord, on va faire ça. Merci. Je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici pour m'occuper de lui. Alors. Donc on doit aller voir l'intendant de Jade Road. Mais avant ça, on peut explorer un petit peu. Vous ne pouvez pas monter sur Miraidon maintenant. D'accord. Direction Jade Road. On peut déjà peut-être prendre des objets piétissols. Alors que qu'on analyse un petit peu en termes de graphisme, un petit peu ce que ça donne. On a une jolie chaîne de montagnes par ici. Oh, un Médina! Salut toi! Coucou Médina! On n'avait pas de Médina jusqu'à maintenant dans Pokémon Écarlate et... Ah ouais, trop cool! Génial! Génial, génial, on n'en avait pas, on va faire vibrer à quoi? Ça va mettre KO, hein, je pense. Hein. Niveau 54 quand même, hein. Niveau 54, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, un hein, Medina niveau 54, c'est pas rien. Bon, ça va, on est niveau 70, 80. Oh, coucou! Comment il va? Comment ça va, toi? Hein? Petite larveillette, là. C'est-à-dire qu'il va falloir compléter le Pokédex de Septentria aussi. Qu'est-ce qui va se passer si on arrive à le compléter, vous pensez? Est-ce qu'on aura un super Shiny Charm? Je sais pas du tout. En tout cas, on peut essayer de capturer ce larveillette, tu vois. Let's go. Avec une super ball. Let's go. 1, 2 et 3. C'est capturé. Et du coup, on va avoir le premier Pokémon du Pokédex de Septentria qui va être ajouté normalement. C'est ça? Attention. Larveillette. Les données sont enregistrées. Non, on veut pas donner de surnom. Non, c'est bon. Pas de surnom, madame Larveillette. L'envoyer vers une boîte PC. Et ça y est. On a le premier Pokémon du Pokédex de Septentria, même s'il y en avait en fait d'autres déjà, vu qu'il y a les Pikachu, etc. Ok, on va peut-être regarder à quoi ça ressemble. Pokédex. Ah oui, d'accord, donc on a le Pokédex. Ici, on a le Pokédex de Septentria. Très bien. Avec déjà certains Pokémon qu'on a déjà vus, mais qu'on n'a pas encore. Et qu'on a déjà capturé en fait. Donc ça, on a capturé. Ah oui, donc on a quand même une bonne partie du Pokédex de Septentria. Et donc là, alors qu'est-ce que ça fait? Ok, on a 90 volumes à Septentria. Ok, on a 100 volumes à Septentria et le prochain c'est à 110. Ok. Eh ben pas mal. Donc en fait, il nous manque peu de Pokémon. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 Pokémon a priori pour avoir le Pokédex complet. Si je ne dis pas de bêtises, on a des petits axolotls par ici. On a les petites rizières par là. Qu'est-ce qu'on a dans les rizières d'ailleurs? Ah, c'est un écrapince! Un petit écrapince. On n'avait pas vu. Ça fait plaisir. Hop! Prendre les petites Pokéballs. Bon, rien de nouveau dans les Pokéballs. Hein. Hop, Rapid Ball. Oh là là, bonjour toi. Oh, d'accord, on commence direct par un combat. Oh là là, dis, tu viens bien de Paldea, c'est ça?
Flore, la fille de la fête, veut se battre. Eh bah, let's go. Un Aragdo. Ok, ça commence par un Aragdo contre l'Ac des Cygnes. C'est parti. On y va. Bah, on a que des attaques pas très efficaces. Peut-être qu'on va changer de Pokémon. Hein. On va peut-être changer de Pokémon. Est-ce qu'on envoie... On va envoyer Sparcolombe. Sparcolombe. On les avait oubliés, ceux-là, hein, de Pokémon. Mais ça y est. Ça fait plaisir de les retrouver, en vrai. Le plaisir de retrouver les Pokémon du Let's Play original. Buée noire de Aragdo, en tout cas. Ok, les changements de stats ont été annulés, on s'en fiche. Et c'est parti, on va lui faire un petit Bouledec. Tac. Et le Aragdo, c'est good. J'ai même pas vu quel niveau il était. On a vu quel niveau il était, le Aragdo? Je sais pas du tout. En tout cas, ça continue avec un Corillon. Donc on va garder le même Pokémon, je pense, pour Corillon. Hop. Corillon, juste ici. Niveau 54, en effet. Je propose de faire un petit acrobatie. Let's go. Ouh, qu'il a presque mis KO, mais ça l'a pas mis KO au final. C'est pas très grave, on va terminer tranquillement par une boule élec qui devrait normalement nous permettre de nous en sortir. Et voilà, ça y est, c'est good pour le Corillon. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on a encore des Pokémon ou pas? Non, on l'a battu. Parfait. Bon, on va aller voir l'intendant. On va aller voir Mister l'intendant. Où est-il? Alors là, il y a une petite... Hop. Il y a une petite... Un petit objet, c'est une baie fraîche. Bon, on va aller au-delà des rizières. Hein. De toute façon, la ville, elle est pas très très loin, en fait. Elle est pas très 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 loin. Un axoloto par ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'éléments de décor. Regardez quand même. Hein. Ils ont essayé de mettre des petits. Des petites brouettes, des petites choses dans le genre. Donc pourquoi pas. Ça a l'air un peu plus fourni maintenant. Voilà, au niveau texture, on est toujours sur Pokémon Écarlate et Violet et sur le moteur graphique. Ouais, quand même. Pas. On est aux limites de ce que peut faire la Switch avec le moteur de Pokémon Écarlate et Violet, quoi. Et là, on est vraiment dans un village japonais. Hein. Vraiment, hein. C'est trop cool. Hein. C'est beaucoup trop cool. Alors, ça doit être l'intendant, ça, non? C'est ça, l'intendant? Ou c'est des challengers? Oh, regarde! Bonjour. Bonjour, vous êtes... Qui êtes-vous? Elle est stylée, hein, quand même. T'es un élève de l'académie de Paldea, c'est ça? Trop cool! Cassis fut. Je m'appelle Roseille. Et je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein? Tu veux passer? Alors bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas cool, Roseille. Cassis, j'ai dit chute. Tu peux ignorer mon petit frère. Il dit n'importe quoi. Allez, en place. Ok. Bah c'est parti, on s'est entraîné pour le premier pour le combat. Donc on va voir ce que ça donne contre Roseille. Ouais, attends, mais pas besoin d'être aussi loin. Pas besoin d'être aussi loin, Roseille. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. Ok, bah ça commence bien. Moi je disais que t'étais stylé. Toi tu m'attaques. On est vraiment sur quelque chose de... D'un peu triste, hein, disons-le. Allez, c'est parti, Roseille veut se battre. Alors, bienvenue à Septentria. Pour commencer, tu vas mordre la poussière de notre belle région. D'accord, on va faire close combat pour commencer. Voilà, donc là la poussière pour le moment je ne sais pas où elle est, mais elle est pas là. C'est parti, ah ouais, tu connais bien tes affinités de type en fait. Ouais, bah ouais, plutôt. Plutôt contre un Mediena, ça c'est plutôt easy, allez. Défense et défense spéciale baisse. On est good. Et c'est parti. Goupix. Bah Goupix on est bon. Goupix on est bon. On reste avec le même. On va faire danse aquatique. On va faire la petite danse aquatique. Hop. Elle est là. Danse aquatique. Il va en plus augmenter notre vitesse. Allez, salut Goupix. Parfait.
Et... Alors vous avez remarqué, la musique de combat est pas la même, hein. C'est une musique spéciale. Musique spéciale pour le DLC. Rosé va envoyer un Polchageist. Polchageist. On va peut-être changer de Pokémon pour Polchageist. Et envoyer un Sparkolombe. Parce que Polchageist, si je dis pas de bêtises, il est plante spectre. C'est possible ça? C'est possible. Nouveau Pokémon hein, de ce DLC. Polchageist. Ah là, le voici. Et donc du coup, si je fais acrobatie, voilà, on a mis KO Polchageist tranquillement. Ça a été assez easy. Ok. Et on a battu Roseille. Bah voilà, alors, on est bon. C'était vraiment un combat facile. Mais comment c'est possible? Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouah, t'as battu ma sœur. J'ai la haine. Je suis super forte pourtant. En fait, t'as tout juste la moyenne, ça passe. Mais peut mieux faire. Bon allez, on va dire que tu peux entrer dans le village, mais par contre, c'est moi qui commande. Vu? Nom d'une équipe. Que se passe-t-il ici? Psst, et c'est reparti. Allez, viens, casse. On se barre. Ou viens, barre, on se casse. Ça marche aussi. Roseille, attends. Bonjour, mon petit. Tu dois être un élève de l'académie, je me trompe? Je suis l'intendant du village. Je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites canailles t'ont cherché des noises? Oui. Oui, ils m'ont cherché des noises. Ils sont vraiment intenables. Surtout Roseille. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré si elle t'a causé des soucis. Très bien. Comment un élève est malade à l'arrêt de bus? Sapristi. Et je vais de ce pas à sa rescousse. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. A tout à l'heure. Ok. Donc par ici, il y a des centres Pokémon, mais beaucoup plus rudimentaire que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est vraiment juste des tonnels. Et voilà. Il y a d'ailleurs une petite libellule dessus. C'est un Yanma, peut-être? Bien le bonsoir et bienvenue au centre Pokémon. On va soigner nos Pokémon, bien entendu. Ah, mais c'est pas... D'ailleurs, c'est une rappeuse? C'est une rappeuse? C'est pas notre infirmière Joël habituelle? Qu'est-ce qui lui est arrivé hier? Ah, nouvelle CT disponible. Une nouvelle fonctionnalité est disponible. Le filtre de compatibilité. Le nombre de CT que vous pouvez fabriquer. Activation. Voir le filtre de compatibilité. Qu'est-ce que c'est ça? Appuyez sur le bouton X depuis le menu de la machine et choisissez un Pokémon de l'équipe. Ah, ouais, d'accord. Alors, attends. Choisissez un Pokémon afin de voir les capacités. Oui, d'accord. Ah, et là, on voit que les capacités qui sont faisables pour ce Pokémon-là. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, en vrai. Ça aurait dû être depuis le début, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On va faire le tour du centre culturel. On peut rentrer par l'arrière ou pas? Une petite entrée par l'arrière? Bon, j'imagine qu'on ne peut pas y aller. Est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments maintenant? Oh, attends. Mais non. Presque. Attends. Je peux monter tout là-haut? Salut toi. Dans ce village, il ne se passe jamais rien. Mais c'est exactement pour ça que je l'aime autant. Ok. Là, on peut pas grimper. C'est dommage qu'on puisse pas rentrer dans le bâtiment. Alors peut-être parce qu'on n'est pas encore allé à l'intérieur. Peut-être qu'après on pourra faire tous les étages et sortir par les portes, je sais pas. Mais c'est dommage, je m'attendais à ce que au moins sur le DLC les intérieurs soient visitables. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Let's go. On va à l'intérieur du centre culturel. C'est un espace culturel Leclerc. Par ici tout le monde. Et ben voilà, tout le monde est là. Merci d'avoir transmis le message à l'intendant NT. Ton camarade va déjà beaucoup mieux. Où en étais-je? Ah oui.
Derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il vous faut pour loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'Institut Myrtille devraient d'ailleurs vous rejoindre, mais le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Raisin. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ce village. Nous ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires d'un village. Japonais. Alors que l'Institut Myrtille, elle est à Unis. Et que Unis s'est inspiré de New York. J'ai du mal avec ça. Je vous en prie, entrez, hop hop hop. Alright. Vous pouvez garder vos souliers. Et quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. Ok, madame. Monsieur, pardon. Il y a un joli corillon sur le côté. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes. Il est neuf et équipé des dernières technologies. Ici, c'est le coin des tentes où vous pourrez regarder la télé ou papoter à la bonne franquette. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Si vous voulez faire un somme, utilisez les chambres du fond. Il y en a assez pour tout le monde, vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite guidée. Allons les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. C'est un bonheur d'être ici. C'est un bonheur d'être ici! Tant de politesse, cela fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué. Il est encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Nous vous avons préparé un festin. Il y en aura pour tout le monde. Génial! Ok. Eh bien, regardons un petit peu. Merci, c'était très bon. Ah ouais, bah voilà. Je pensais qu'on allait le voir, ce festin. Mais non! Ah là là. Ce soir, c'est quartier libre. Mais attention, les activités du voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaie donc de ne pas te coucher trop tard. Ok. Regardons un petit peu. Attention, le prix de certains services du centre culturel augmentera à partir du mois d'octobre. Le nouveau tarif de la location de salles et d'hébergement sont indiqués ci-dessous. D'accord, ok. Après, ça me concerne ou pas? Ce sont des instructions concernant le tri des déchets. Ok. Calendrier de collecte des déchets, participez à nos ateliers de confiture de pommes, karaoké entre tradition et modernité, ne manquez pas la conférence de l'intendant. Ce sont les prospectus à la disposition de tous. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a par ici? C'est les toilettes. Ce sont les toilettes pour femmes. Ce sont les toilettes pour hommes. Et là, ce sont des toilettes universelles. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu. Ok. C'est une salle. C'est quoi? C'est une salle de réunion, rien qui vous concerne en somme. Ok. La cuisine de Septentria a l'air à la fois très saine et délicieuse, comme quoi. En effet. Est-ce qu'on peut sortir ou pas? Mieux vaut éviter de vadrouiller dehors en pleine nuit. Ah, il fait nuit là? Il faisait pas nuit quand on est arrivé. Bon bah écoutez, allons dormir, hein. Voulez-vous aller vous coucher? Oui. De toute façon, on pouvait pas faire grand-chose. Il nous laisse pas sortir. Un peu la tristesse, ça, hein. Les gars, laissez-nous sortir hein, quand même des fois. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à nos camarades. Et salut la compagnie, moi c'est Roseille. Je suis enchanté de faire votre connaissance, bande de mes chers camarades d'une lointaine contrée. Ouais. Moi, c'est Cassis. Cassis et Roseille sont originaires de ce village. N'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. C'est compris, vous deux. Je compte sur vous pour aider nos invités, si nécessaire. Bien sûr. Ok. À la bonne heure. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de deux et devrez trouver trois pancartes disséminées aux quatre coins de Serpentria. Ça fait 2, 3, 4.
Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous preniez une photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les trois pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. C'est plus drôle que d'écouter de longs discours d'un vieil homme, n'est-ce pas? Quelle idée merveilleuse! Et voilà une activité ludique et studieuse à la fois. Et avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous recevez la perche à Motismart. Ah oui, d'accord, c'est pour prendre des selfies. Très bien. Une perche compatible avec le Motismart, elle permet de se photographier d'un peu plus loin lorsqu'on prend des selfies. Super! Ils ont inventé la perche à selfies. On raconte que c'est en vogue en ville. Cela vous sera utile pour prendre des photos. J'ai d'ailleurs inventé une pose qui déchire, rien que pour vous ai adoré. Ok. L'un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos deux écoles. En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés deux élèves qui connaissent Septentria sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour former des binômes avec un ou une élève d'une autre école, afin de favoriser les échanges culturels. Mais c'est pas possible, on est quatre. Et ils sont deux. Moi je veux faire équipe avec le gamin. J'ai le droit de choisir ou pas? Ah, c'est eux qui choisissent ou c'est nous qui choisissons? Moi je choisis toi. Hein. Ah, c'est avec elle qu'il faut qu'on fasse. Tu t'appelles NT, c'est ça? Pincez-moi, je rêve. Tu vas nous faire l'insigne honneur de nous choisir comme partenaire dans cet incroyable échange culturel? Oui. Comme c'est généreux de ta part de prendre l'initiative, je suis tout ému. En tout cas, je peux te dire que t'as fait de l'effet à mon petit frère Cass ici présent. Une fois à la maison, il arrêtait pas de parler de toi. Impossible de le faire changer de disque de toute la soirée. Mais Rosé, il a pas besoin de savoir, t'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête. Et tu me parles mieux que ça, ok? Ouais. Ça y est, il fait son timide. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain si on attend qu'il pose la question lui-même, donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Oui. Oui, oui, allons-y. Tiens, en plus t'es sympa. C'est Cass qui va être content. Cass, NT a dit oui pour le combat. Hein? Lui contre moi? Vraiment? Vraiment. Allez, en place vous deux. Et les autres, écartez-vous, on a besoin de place. Let's go! Combat contre Roseille. C'est parti. Allez, montrez-nous de quel bois vous chauffez, monsieur Kafit. Fouinette. Ok, bon, pour le moment, on va démarrer pareil, le petit close combat sur Fouinette. Ça va pas poser de problème. Wow, je vais pouvoir me battre contre toi, je suis trop content. Bah, parfait. Fouille de Fouinette. Là, il a trouvé au mystique. Ok, très bien. Close combat. C'est parti. Il est niveau 60, il est type normal, normalement il n'y a pas de souci, ça pose pas de problème. Et tu sais viser là où ça fait mal, trop fort. Eh oui Cassis. J'aime bien Cassis. Il est attachant. Il me fait un peu penser à Timmy dans Pokémon Ruby Saphir Emerald. C'est Timmy, c'est ça? Ah, j'ai pas vu qui il voulait envoyer. J'ai pas vu qui il voulait envoyer. Yanma. Ah ouais, donc j'ai pas le bon Pokémon là. J'ai pas le bon Pokémon contre Yanma. On va changer de Pokémon. Et on va envoyer Sparkolombe encore une fois. On aurait pu envoyer Lac des Cygnes hein, en vrai. Hein. Lac des Cygnes. Crabazur, pardon. Crabazur, on aurait pu l'envoyer et faire ton broche ou un truc dans le genre. Ça aurait été faisable. On ne l'a pas fait, mais ça aurait été faisable. Yanma tranche l'air. Ouais, mais ça va pas me faire grand chose, ça. Parfait, pas très efficace. Et nous, on va faire acrobatie sur Yanma. Et ça met KO, c'est tranquille. Allez, le troisième Pokémon. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Qu'est-ce qu'il nous envoie? Ah non, on l'a battu. Ok, il avait que deux Pokémon. Je pensais qu'il en aurait trois, mais non, il en avait que deux. Eh bien, rapide. Rapide, rapide. Wow!
Wow! C'était un super combat. Pourquoi il fait la danse des canards? C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin, coin. Ok, très bien. C'était un super combat. Bravo, je suis ravi de voir des élèves apprendre à se connaître au détour d'un combat amical. Waouh, je le savais déjà, mais t'es vraiment, vraiment trop fort. Pas mal, Cass. Je reste la meilleure de nous deux, mais t'as pas été trop ridicule. Mais Ah oui, au fait, il fallait former des binômes pour le truc là, la course d'orientation, non? Tu peux faire équipe avec Cass alors. Moi je suis chaud, hein. Ah, mais non. Quoi non? Tu vas pas faire équipe avec moi quand même, tu vois, je vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit NT, non? Bon, prends ça pour un oui, il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends soin de mon petit frère. Ok. Moi ça me va, je préfère être avec lui plutôt qu'avec toi qui es hautaine. Les binômes sont prêts. À la bonne heure. Dans ce cas, je vais vous envoyer la position des pancartes sur vos motis smart. Et voilà, que la course d'orientation commence. Et si vous manquez de potions ou de Pokéball, ne cherchez pas plus loin. Il suffit de vous rendre à la boutique de la pêche. Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc Adorami. C'est à l'ouest du village, après les pommerais. C'est la pancarte la plus proche, et c'est par là que l'histoire commence. Comme ça, on pourra suivre dans l'ordre. Mais je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas. Ok. Donc il veut qu'on aille au pommeret. Regardons un petit peu la carte parce qu'on n'a pas ouvert la carte, on n'a pas regardé à quoi elle ressemblait. C'est réel ça. On n'a pas vu à quoi ressemblait la carte de cette région. Vous pouvez appuyer sur L dans l'application pour passer d'une carte à l'autre. Alors qu'est-ce que ça donne? Ok, on a une carte qui est en termes de taille qui est honnête. Ça a l'air d'être honnête. Ouais. Donc il faut qu'on aille là. Il faut qu'on aille au parc Adorami. Parc Adorami qui est vraiment pas très très loin. Et ça y est, on peut utiliser Miraidon. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, parc Adorami, c'est vraiment juste à côté. Je pense. Il y a des adultes qui sont en train de récupérer des pommes. Trop mignon. Trop trop mignon. Eh bien, allons. Oh, j'ai envie d'explorer cette zone. Moi, je vous propose qu'on aille au parc Adorami. Vous avez trouvé une apparition massive de Fouinette. Ok. Faut appeler un dératiseur là. Je vous propose d'aller au parc Adorami quand même. Et on verra ensuite ce qui s'y passe. Et on explorera sur le retour. Parce que là. On va avoir normalement notre. Ah, c'est ici. C'est ici. Et là, il faut prendre en photo. Il faut se prendre en photo avec la première pancarte. Le voici. Pardon, je t'ai fait peur. Pourtant, je t'avais dit que je te rejoindrais ici. Faut lire la pancarte du coup. Ok. Je sais déjà ce qu'il y a écrit dessus, alors vas-y toi. Va falloir traduire parce que là, je l'ai pas. Il y a fort longtemps. Un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans les montagnes, derrière le village, et effrayait quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fit pru du, fit pris d'une fut pris le, un jour, le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. Trois Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui. Félicanis, Fortissimia, et Favianos. Ils parvinrent à repousser le monstre vers la montagne, mais ce fut au péril de leur vie. Oh, les pauvres. Pour honorer leur courage héroïque, le village surnomma les Adoramis. Les Adoramis? Ah oui, les Adoramis en fait. Eh oui, les amis en fait. Trois statuettes furent érigées à l'endroit où l'on inhuma leurs dépouilles. Si tu veux les voir, elles sont juste en face, les statuettes Adorami
je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que les monstres de la légende, il est cool? Carrément. Je savais que tu serais d'accord. Il a affronté trois adversaires en même temps et tout seul, c'est ouf. Enfin, je comprends que tu dis comme ça peut être impressionnant, mais plutôt effrayant, mais il n'y a vraiment rien à craindre. Je pense qu'il le connaît, lui. Quand j'étais petit, je suis allé plein de fois dans la montagne tout seul la nuit et j'ai jamais vu le monstre. Pas une seule fois. Donc perso, j'avais plus peur du savon que j'allais me prendre en rentrant que du monstre. Enfin bref, ensuite, faut qu'on prenne une photo avec la pancarte, je crois. Mais j'ai pas de téléphone. On peut utiliser le tien. Ok. Allons-y. Yes. Petite photo avec le premier endroit. Trop belle la photo. T'as vraiment du talent. Tu veux en prendre une aussi? Non, non, c'est bon, pardon. Je voulais pas sous-entendre ça. Mais une prochaine fois peut-être. Tu sais, à la base, je voulais pas trop participer à cette course d'orientation, mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut se balader dans la nature et tout, et d'habitude, je parle pas trop avec les autres, mais avec toi, j'aime bien. Si tu veux, on pourrait faire un pique-nique. Je peux apporter des sandwichs ou... Ah ça y est, voilà, il est sorti pour les sandwichs. Wow, c'est quoi ce Pokémon? C'est pas un Pokémon, si? C'est ma Pokémonture, Miraidon. Oh, viens, ce serait cool qu'on le chevauche à deux. Miraidon, il te sert de monture. C'est la première fois que je vois un Pokémon pareil. Et donc, c'est le mot sandwich qui l'a poussé à sortir de sa Pokéball. Ah oui. Wow, il est trop cool. Je pensais pas rencontrer un Pokémon aussi stylé un jour. Avoir un Pokémon comme ça à tes côtés, ça prouve que t'es vraiment trop fort. Bref, revenons aux pancartes. La prochaine est à Septemplion. Est au Septemplion. Pour y aller, il faut retourner au village, traverser le pont et grimper la montagne. Vas-y, on se rejoint là-bas. Alors, où est-ce que c'est? On va regarder. Agrou. Vas-y, retourne dans ta Pokéball, toi. On t'a pas appelé. T'as pas appelé. Par contre, je voudrais juste regarder Perche à selfie. Comment on prend une photo? Je sais même pas. Je n'ai jamais pris de photo sur Pokémon Écarlate et Violet. Ah. Voilà. Ah non, ça c'est les. Ah voilà, ok, on y est. Et donc, Y. Utiliser la perche. Ah voilà, ça y est, là on utilise la perche. Et là on peut se prendre en photo devant. Et là on peut faire une expression. On peut faire la nouvelle. Pose cool. Yes. Moi je préfère celle-là quand même. Ok. Et donc là c'est parti. Nice. Parfait ça. On a la petite photo. Ça fait plaisir. Bon, les amis, on va se quitter là pour ce premier épisode et on va explorer un petit peu dans le prochain, un petit peu tout ce qu'il se passe. Mais voilà, je voulais vous faire cette première petite vidéo de manière à introduire le fait que tous les jours à 18h, vous aurez un épisode du DLC, un nouvel épisode du DLC. Le prochain endroit est par ici. Donc du coup, nous, on va s'amuser à explorer un petit peu par là, peut-être faire quelques petites captures. Et ensuite, eh bien, on avancera vers Septemplion. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Nultitoff sur Pokémon Écarlate et Violet, le masque turquoise. On sauvegarde la partie, bien entendu. Et puis, écoutez, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et puis surtout, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nultitoff, et bye tout le monde!